Le Maroc de Matisse, tel est le titre de l'exposition proposée jusqu'à la fin du mois de janvier par l'Institut du monde arabe à Paris, qui en coédite le catalogue avec Gallimard. Une centaine de toiles rassemblées pour évoquer les deux séjours rapprochés qui effectua le peintre en 1912 et 1913. Un voyage de réflexion plus que d'initiation, rien à voir avec les effusions lyriques d'un Delacroix au siècle précédent. Matisse, seul dans sa chambre d'hôtel à Tanger, y voit tomber la pluie. L'illumination viendra plus tard. Mais comme le souligne Tahar Ben Jelloun dans l'avant-propos, bientôt le soleil revient, et avec lui la couleur bleue, un bleu rêvé, par lequel le peintre poursuit sa méditation sur la couleur et l'art décoratif. Pour Matisse, le voyage au Maroc constitue une épreuve, une crise, mais aussi sans doute un saut décisif, dont témoigne par exemple le tableau prodigieux intitulé « Les Acanthes ». Les experts n'ont pas manqué d'étudier l'influence des coloris marocains sur l'art de Matisse, ceux de la céramique en particulier. Mais les visages croisés inspirent également le dessinateur qu'il est. Voyez cette femme voilée croquée en trois coups de fusain.